Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec The Doll Beauty. Elle se livre ouvertement en story Instagram dans un grand moment de faiblesse. En pleurs devant la caméra, un moment difficile qu'elle garde généralement pour elle. Mais cette fois-ci, The Doll Beauty a décidé d'être complètement transparente avec ses abonnés et de montrer aussi les moments où les choses ne vont pas comme elle le souhaiterait. Je vous laisse découvrir les images, n'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Je suis tellement fatiguée. Stressée en même temps. Je sais même pas pourquoi je fais cette story. En fait, je me dis que la date butoir arrive et ça devait être excitant. Mais c'est tellement stressant parce qu'il reste trop de trucs à faire. Bref. Vous voulez aussi voir quand les moments quand je suis pas bien, ben. Oh voilà. Whatever. Ça va pas le coup. Je vais aller manger, moi je vais aller me doucher, ça va me faire du bien. Je vais aller dormir. J'en ai besoin. C'est bête. Hello, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir assisté à mon mental breakdown d'hier, c'était incroyablement gênant. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos messages, que ce soit de mes proches, de mes amis, de vous. Merci, j'essaie de tout lire, j'essaie de répondre au maximum de personnes. Donc merci beaucoup d'être là, merci de votre soutien. Et vos messages me font vraiment, vraiment, vraiment du bien. Alors, généralement, je ne montre pas ces moments-là. Sur l'écran, parce que je trouve ça, il n'y a pas de valeur ajoutée à ce que je montre d'habitude. Mais là, en fait, je voulais vraiment vous montrer parce que vous arrêtez pas de me répéter que bah, vous ne me voyez jamais faible, que vous me voyez tout le temps forte et du coup, vous culpabilisez parfois, que vous ne comprenez pas comment je fais pour mener tout ça d'un coup. Bah, croyez-moi, bah, c'est ça la réalité derrière, derrière cette force incroyable. Bref, c'était juste un petit moment que je me suis dit, vas-y, on va partager. Enfin bref, on va pas se laisser démener par cette petite situation, ça arrive. On va reprendre du poil de la bête. On n'a pas beaucoup dormi, mais vas-y, t'inquiète, c'est pas grave. Un bon petit bain, ça a fait du bien. Et là, j'ai rendez-vous avec moi pour aller quelque part. Et voilà quoi!